les co-débatteurs pour nous joindre ici. La réduction de 30 de vie des institutions est-elle possible sous Fatih II? Et puis nous allons frôler sur cette question sur les contentieux électoraux. Vous savez bien que la Cour constitutionnelle venait de rendre son arrêt il y a, je crois, 2 jours passés. Baati a perdu. Baati n'est plus la deuxième force politique. C'est Vital Kamerhe maintenant qui passe en premier. On se pose des questions. Est-ce que de telles frustrations va consolider encore les acquis de l'Union sacrée? Point d'interrogation. Nous avons Maître Justin Okoto sur ce plateau. Il est cadre du parti cher au professeur. Disons bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Vous-même, je vois que vous êtes très bien. Dieu fait grâce. Le master, ça a été en Belgique? Oui, ça a été. Bon, jusque-là, ce n'est pas encore fini, mais bientôt là, je vais rentrer. Mais dans l'entretemps, nous avons des petites responsabilités professionnelles et nous avons décidé de pouvoir d'abord nous rendre au pays et d'ici, peut-être que lundi, si Dieu le veut, nous allons rentrer. Et voilà, Maître Justin, j'aimerais un peu avant que nous entrions dans notre sujet, quelle est l'actualité qui a retenu votre attention pendant la semaine? Oui, il est Hormis notre l'actualité, sujet. hormis la Oui. question, Hormis les hormis, deux thématiques que nous allons discuter, quelle est l'actualité qui avait retenu votre attention pendant la semaine? oui, mais actuellement il y a plusieurs questions qui se posent, notamment la question liée au résultat du parquet général. Il y a tant d'autres questions, voilà. Et par rapport à la mort de Chérubin Oukendé, il y Oui, a par rapport à ça, aussi, on pouvait en voilà. parler. Comment vous avez eu cette nouvelle? En tout cas, bon, je suis dans ma posture d'avocat, je ne peux pas faire de Ici, vous n'êtes pas commentaires, avocat. Ici, nous mais percevons oui, comme comme un Congolais, comme ainsi de Congolais, comme suite, je citoyen suis qui en fait train son de, analyse. voilà. Mais en tout cas, de toute façon, les résultats tels que présentés par le parquet général près la Cour de cassation avec les parquets de grande instance de Kinshasa-Gombe, en tout cas personnellement, en tant que citoyen, je suis pas d'accord. Parce que cette façon, madame, de présenter les choses et surtout de menacer la population à les réduire au silence, ne préconise pas le principe de la démocratie dans un État qui se veut un État de droit. Pourquoi nous le disons, madame la journaliste? Parce que lorsque une enquête qui a été menée dans ces conditions-là, et on dit non, le peuple ne peut pas donner des explications, réagir par rapport aux conclusions du parquet, mais c'est tout à fait grave, parce que c'est là viole en principe la liberté d'expression qui sont des droits fondamentaux garantis par les instruments juridiques tant internationaux que dans notre constitution aussi. Et donc, les conclusions du parquet, de mon point de vue, en tant que citoyen, ne reflètent pas la réalité, en fait. Et de ce point de vue, nous estimons que c'est quelque chose de plus grave et qu'il faut à l'avenir voir comment rendre davantage la justice indépendante Est-ce parce que que ces résultats n'ont pas sali notre pays ou encore notre justice à l'étranger, à l'international? non, mais non seulement à l'international, même à l'interne, vous voyez déjà la réaction de la population. Même celui qui n'a pas fait le droit, madame, à contester ces résultats. Tout le monde conteste ces résultats dans la mesure où il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux, d'abord, concernant le temps que ça a pris, et de deux, la légèreté avec laquelle on a rendu ces résultats publics. Et donc, de notre point de vue, parce que, d'abord, Chérubin, il faut le souligner, non seulement il est opposant, et c'était un droit d'être opposant ou d'être de l'opposition, mais également, c'était au cadre, c'était député en fonction et ministre honoraire. Et donc, l'enquête fournie dans ce cadre-là ne peut pas être rendue de façon beaucoup plus légère comme on l'a présenté. Et le fait,
pour les autorités et surtout au sommet de l'État d'interdire à la population, à n'importe qui, de pouvoir émettre un point de vue. Moi, je crois qu'on n'est pas en train d'avancer sur le plan démocratique. Nous sommes en train de régresser. Et c'est déplorable pour nous. Est-ce que la famille ou sa formation politique peuvent entreprendre une autre démarche à l'international? Oui, madame. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas du parti. Je ne suis pas du parti Ensemble. Mais de mon point de vue, en tant que spécialiste en droits humains, je peux le dire qu'il y a des voies de recours internationaux qui sont reconnues. Et même dans le cadre de l'Union africaine, on peut toujours entreprendre lorsque, au niveau interne, on estime qu'il y a une liberté publique ou un droit fondamental qui avait été négligé dans le cadre du traitement de la plainte qui avait été introduite. Et de toute façon, ils ont droit de pouvoir saisir l'Union, la Commission de l'Union africaine, parce que nous avons la Convention qui des droits de l'homme et de peuple et qui permet et qui prévoit ces mécanismes là où lorsqu'il y a une violation des droits de l'homme qu'on pousse et tenter une action ou une voie de recours à l'international. Et même au niveau des Nations Unies aussi, nous avons un comité qui est chargé de pouvoir sanctionner toute atteinte portée sur les droits de l'homme au niveau des Nations Unies ou qui violerait la Charte des Nations Unies. Et donc, ils ont encore d'autres possibilités parce que déjà, l'enquête en interne démontre à suffisance qu'on ne peut pas rendre les choses au clair comme le droit ou la Constitution le prévoit. Et voilà. Maître Justin, parlons un peu sur le premier sujet sur les contentieux électoraux. La Cour constitutionnelle venait de rendre son arrêt par rapport au recours de résultats des élections législatives. Un mot là-dessus. Madame la Présidente, Madame la Journaliste, excusez-moi, je suis habitué avec le cause des tribunaux. Et Madame la Journaliste, il faut noter que les élections, de manière générale, étaient un élément le plus important d'une vie d'une nation. Parce que ça permet à la population de pouvoir choisir les dirigeants qui peuvent gouverner au destin de leur peuple. Mais de manière générale, parce que le sujet est tellement vaste, je ne saurais pas aborder la question, mais vous avez vu déjà, à ce qui concerne le contentieux électoral tel que nous venions de le vivre tout à l'heure avec la décision de la Haute Cour, de la Cour constitutionnelle, vous allez vous rendre compte que effectivement sur le plan judiciaire, il y a eu une décision qui est rendue et on ne peut pas faire le commentaire là-dessus parce que les arrêts de la Cour s'imposent, mais on peut aussi émettre des jugements de valeur sur les conditions matérielles du travail de la Cour. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre à l'évidence, est-ce que nous pouvons dire que cette décision rendue par la Cour, c'est une décision qui avait été rendue avec toute impartialité? Est-ce que c'est une décision qui est maillée de plusieurs aspects politiques pour rendre ou affaiblir ou renforcer un camp au détriment d'un autre? C'est ça tout l'enjeu qu'on peut se questionner là-dessus. Mais oui, il faut imaginer que d'abord la Cour constitutionnelle, il faut le noter, c'est une juridiction aussi politique. Et les décisions qui sont rendues par cette haute Cour peuvent aussi avoir une corrélation, une dose politique. Une dose politique. Et donc, de ce point de vue, nous pouvons dire qu'il y a derrière ça des calculs politiciens qui peuvent aussi être à la base de telle ou telle autre. Par rapport à cette question, Baat a perdu sa place de la deuxième force politique. Oui. On l'a enlevé au moins, retiré au moins 9 députés, y compris son fils qui était au bureau provisoire. Je me pose la question, est-ce que cette frustration n'est pas à craindre sein de l'Union sacrée? Madame, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, avant d'arriver à la décision de la Cour et à la décision de la Cour, vous allez vous rendre compte que d'abord,
L'Union sacrée était même fragilisée il n'y a pas longtemps avec Vital Kamerhe, lorsqu'on avait créé à la marge PCR. Vous voyez, donc, de ce point de vue-là, vous avez vu qu'il y avait déjà des calculs politiciens. Et moi, en tant qu'analyste, je peux le dire et l'affirmer que demain, après-demain, cela n'empêche aussi à la partie Bahati qui était d'abord, au moment de la décision de la CENI, la deuxième force, si je ne me trompe pas, après l'UDPS, Oui. et il avait plus de députés. Et aujourd'hui, avec la décision de la Cour, Bahati a perdu sa deuxième place. Et de ce point de vue, nous, nous estimons que demain, je ne suis pas prophète de malheur, mais au moins, on peut tout laisser à croire que Bahati aussi peut aussi avoir d'autres revendications, peut aussi amener à fragiliser aussi l'Union sacrée, et ce qui n'est pas aussi une bonne affaire de mon point de vue. Il ne peut pas aller à l'opposition. Bon, tout Certains est disent que possible. Bahati est sous le pas de s'y rendre à l'opposition. Madame, moi Par je... rapport à cette frustration, 9 députés, c'est quand même trop. Oui, mais bon, alors il faut s'interroger parce que... Et lorsque on lui retire ces 9 députés, c'est simple à voir, à comprendre que c'est Bahati qui est visé. Bon, madame, moi, avec toute objectivité, et tout dépend des contextes dans lesquels la décision avait été rendue et des motivations données par les juges. Parce que je vous ai dit qu'effectivement, la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction aussi hautement politique ou politisée en quelque sorte, mais il faut aussi analyser au fond la motivation du juge. Parce que le juge dans son office, si jamais, par exemple, les gens qui ont attaqué l'électorat de partisans de Bahati ont emporté l'intime conviction du juge n'a pas d'autre alternative que de dire le droit. Et si la décision a été rendue avec toute objectivité, moi je pense que Bahati doit demeurer et être constant parce que l'idée ici, ou la finalité ici, madame, ce que nous pouvons retenir, c'est que tous les députés, toutes les institutions de la République doivent travailler pour l'intérêt de la population. Qu'on ne perde pas de vue. N'importe qui viendra, effectivement, doit comprendre ça. Que donc, moi, je suis élu député et de ce point de vue, je dois travailler pour l'intérêt de la population. Ce qui est plus important, de mon point de vue. Et donc, si, à toute objectivité, la décision qui avait été rendue est une décision impartiale, bah, tu dois assumer et travailler avec le reste. Et parce que la vie ne se résume pas C'est pas facile seulement d'assumer, hein? Pas facile. Oui, mais bon, c'est pas On a facile, mais perturbé ses calculs politiques. oui, effectivement, en politique, ce sont des calculs, effectivement, mais il faut tenir compte aussi des réalités. Il faut tenir compte des réalités. Alors, il faut voir si, en toute objectivité, la Cour avait rendu la décision de ce point de vue-là. Parce que quand on initie une procédure, madame, il faut s'attendre à des résultats. Merci. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Merci. Je passe la parole à Ernest Kanziama. Ernest, vous avez suivi votre co-débatteur par rapport à cette question de contentieux électoraux. Bahati a perdu 9 députés. Est-ce que ce n'est pas Bahati qui est visé? On sent Merci, déjà madame. la division au sein de l'Union sacrée. C'était prévisible. Mais je pense que ça n'arrivera pas parce que, d'abord, je salue mon co-débatteur, je salue tous ceux qui nous suivent. Et puis, avant de répondre à votre question, je souhaiterais d'abord interpeller d'abord les autorités par rapport à la question sécuritaire dans les districts de Moamba. Je ne sais pas vraiment répondre à votre question, sans pour autant insister sur un fait que la population m'a mandaté de hausser les tons dans votre émission. On vit une insécurité qu'on n'a jamais connue au Moamba, et particulièrement les communes de Lemba et Kisenso. Au niveau de la station Salongo, nous avons la malchance, je dirais. Ça allait être une bonne chance pour. Si les services de sécurité faisaient convenablement leur travail. Nous avons la malchance au niveau des stations Salongo d'avoir deux camps militaires. Il y a les camps Boumé puis les camps Mobutu. Et c'est là les foyers maintenant des Kuluna.
Donc, Parce tous ces... qu'il y a des... J'ai habité Limba à un moment où il y a des clowns aussi qui proviennent du camp Mobutu. Bien sûr. Maintenant, c'est le camp Bumba aussi qui est contaminé. Le camp Bumba aussi. Oui, oui. Ces officiers gardent des clowns parmi les enfants, ils le savent. Et il y a aussi les enfants de Terminis qui viennent aussi les appuyer pour piller parce que, à la station Salomon. Attendez, j'aimerais un peu vous relancer. Ceux qui viennent de terminer, souvent, il y a une écurie qu'on appelle Bana Écurie Bolafa, qui vient d'Engaba et qui s'associe à ceux de la frontière de Lemba-Engaba. Non, ils ne s'attendent plus. Ils ne s'attendent plus. Oui, ceux d'Engaba et de Écurie Bolafa ne s'entendent plus. Maintenant, il y a une écurie au niveau de Terminis, souvent qui vient aussi attaquer, qui vient aussi attaquer les paysans citoyens au niveau de Station Salongo. Donc, à partir entre 18h et 21h, il faut être vraiment très prudent si vous êtes à la Station Salongo. Ils arrachent les sacs, tout ça, avec la complicité de J'ai failli être lâché une fois avec ma caméra, comme ça. Bon, à Kisenso, c'est presque tous les quartiers qui sont déjà contaminés avec les phénomènes Kuluna. Et ils sortent par... Il y a un site là qu'on appelle Carrière, où on prend les sables, juste après la société SNEL, quand vous êtes en face des camps Bumba. Donc ils sortent par là et puis ils viennent faire leur forfait au niveau de ces salons. Donc, les autorités veulent vraiment prendre des décisions qui s'imposent pour ces phénomènes au mont en bas. Donc, ça ne va pas. On ne sait plus circuler à des heures tardives dans ces coins-là à cause des phénomènes Kuluna. Et malheureusement, les services de sécurité cachent les parents des auteurs de Kuluna. Parce que vous comprendrez qu'il y a une opération de bouclage à Kisenso. Et les Kuluna sont informés qu'il y aura bouclage à Kisenso. Qui les font? Ce sont les officiers qui habitent les camps Mobutu qui informent à leurs enfants qu'il y aura Kuluna, soyez un peu prudents. Et à leur tour, transmettre aussi les messages à leurs coéquipiers, collègues qui habitent Kisenso. Donc vous verrez les Kuluna quitter leur maison la nuit. On va boucler pour trouver qu'il y a de jeunes gens et ils sont avisés. Donc c'est ce qui rend un peu difficile la tâche à nos services de sécurité. Si on peut changer même les services de renseignement ou de sécurité, on prend ceux de Changou ou de Lukunga, venir opérer au Mouamba sans pour autant que c'est de Mouamba, et ça serait une bonne chose. Répondez maintenant à ma question. Ok. Moi, je pense que cette histoire de prendre des députés chez. Qui c'est Bahati, donner à Kabuya ou bien prendre chez Katumbi, Katumbi aussi est victime, prendre à Kamer ainsi de suite. Bon, c'est la cuisine interne de l'Union Sacrée. C'est leur cuisine interne, ils savent pourquoi ils font ça, leur guerre là, nous on n'entre pas. D'abord, cette justice est malade, comme l'a bien dit Félix. Donc, les décisions qui peuvent sortir d'une justice malade ne peuvent être inféodées d'une manière ou d'une autre. Et c'est seulement en Afrique où vous avez l'exécutif gérer les législatifs et puis l'appareil judiciaire. Donc comprenez que ce qui se passe au niveau de notre justice soit les calculs de M. Tshisekedi avec sa famille politique. Donc ils vont s'attendre, n'attendez pas aussi de voir Bahati quitter l'Union Sacrée pour l'opposition, ça ne se fera jamais. Ils sont là, ils vont s'attendre. J'ai suivi Billy Kambale qui est le secrétaire de Bahati, dire que le président Bahati avait des Billy contacts Kambale, sérieux. Billy Kambale, le secrétaire de Vital Tamere. Pardon, c'est qui c'est celui de AFDC. Jean-Richard Malongo, je crois. Oui. Oui, dire que... TGV. Oui, que Bahati avait des contacts sérieux à un niveau élevé pour... Et c'est un peu des raisons de la crise. Et appelle ça une crise, vous comprenez? C'est une décision de justice. Au niveau de la Cour constitutionnelle, les décisions prises là-bas ne sont pas, je ne sais pas, on ne sait pas les réquiser, mais elles parlent d'une crise qui sera résolue à leur niveau, suite à des contacts que Bahati a, je crois bien, quand on parle de haut niveau, c'est avec Tshisekedi. Peut-être on va leur promettre quelques nominations au niveau des Sénats, ainsi de suite, pour laisser les nerfs des textes tomber. Voilà. Et voilà, je veux passer la parole à Papy. Il est cadre du Parti progressiste. Il vient de nous arriver ici. Bonsoir. Bonsoir, madame. Si vous n'étiez pas venu... Mes excuses aux téléspectateurs, mais aussi à vous pour ces retards. Parfois, on a d'autres tâches qui nous bloquent parfois, mais comme on avait déjà rendez-vous, on devait à tout prix être là.
pour vous honorer, honorer l'émission, honorer aussi les téléspectateurs. Et voilà, merci de nous honorer sur tout ça. Nous sommes au monde de la femme, il ne faut pas déshonorer, il ne faut pas que les femmes se fâchent. J'ai peur de la prison, vraiment. Surtout que la peine de mort est là, donc c'est dangereux. Et voilà, par rapport à cette question, est-ce que vous ne voyez pas que les contentieux électoraux dont l'arrêt était rendu il n'y a pas longtemps, est-ce que cette frustration ne peut pas engendrer d'autres M23? Bon, madame, moi je pense que d'abord, quelque part, le mal pour nous, nous mettons souvent les individus en avant-plan. Alors qu'il faut privilégier les pays, donner la chance à notre pays de vivre et d'aller de l'avant. Mais c'était déjà prévisible. Tout candidat député savait qu'après la proclamation provisoire de la CENI, viendra la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle après les différents contentieux. Donc c'était prévisible, même ceux qui étaient députés, proclamés députés provisoirement par la CENI, de savoir, de mettre en tête que je peux être mis de côté si par la CENI, par la Cour constitutionnelle. 9 députés, retirer 9 députés à Bayatiloukoué, bon, vraiment. Mais madame, ce n'était pas déjà un plan, un coup planifié? Qui a planifié le coup? Qui a planifié le coup? Pourquoi? Qui a planifié le coup? Bahati gêne déjà plusieurs. Et pourquoi? Plusieurs personnes, plusieurs cadres, pas cadres de l'Union sacrée sont madame, gênés. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelait Maradona. Madame, s'il vous plaît. Il n'y a pas seulement que Bahati qui avait des candidats. On n'a pas que comme regroupement politique en RDC, AFDC, il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. C'était la deuxième force politique. On parle de plus de 400 regroupements politiques qui ont concouru à ces élections. Mais c'était la deuxième force politique du pays. Oui, on comprend bien. Mais les choses changent à chaque époque. Vous pensez que si hier vous étiez aimé par une frange de la population, demain on va encore vous aimer. Et d'ailleurs, on sait comment les choses se sont passées dans les législatures passées. Qui peut nous prouver ici que ceux qui étaient députés dans la législature 2018, tout le monde était élu convenablement? On ne sait pas et je ne dis rien quant à ça. Mais je dis, si la Cour constitutionnelle rend son dernier verdict, on ne peut que se plier. Je ne dis pas que c'était parfait. Je ne dis pas que la conclusion de la Cour constitutionnelle est parfaite. Je ne peux pas le dire ici, mais je dis que la Cour constitutionnelle a tranché et les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. On ne peut plus l'attaquer, malheureusement. Je suis désolé. On ne peut plus attaquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Non, non, non. Mais on a vu le chef d'État violer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Quel arrêt? Par rapport à la gestion des affaires courantes, la Cour déjà avait dit qu'il n'y aura pas. Les ministres ne vont pas gérer. Pas de cumul de fonctions. Pas de cumul de fonctions, mais le chef d'État avait violé par un communiqué. Madame, je pense que c'est un langage politicien. La Cour qui est une sommité de la justice est violée par le chef de l'État. C'est un langage. Mais pour le député, ça peut être violé. C'est un langage politicien. Je suis d'accord avec vous, on pouvait bien laisser les secrétaires généraux gérer les affaires courantes. Oui. Mais en tout état de cause, les ministres qui devaient être nommés après, ils devaient à tout prix faire les passations de pouvoir ou encore la remise et reprise avec les ministres sortants. Quelque part, on peut, ça c'est moi qui le dis, hein, on peut atténuer les faits au lieu d'aller chercher des choses. Ces ministres-là, si le chef de l'État a estimé que les ministres sortants peuvent encore gérer les affaires courantes. Ce n'est pas la loi qu'on doit appliquer, mais ce sont les émotions du chef de l'État. Non, ce n'est pas les émotions. Bien sûr. Il ne faut pas appeler ça émotion. Non, ce sont ces émotions. Il ne faut pas appeler ça émotion. Parce que les chefs de l'État attendez un peu. Nous savons tous que la Cour constitutionnelle est la sommité de la justice. Et d'ailleurs, c'est le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. C'est par quelle magie? On est où là? Madame. Apparemment, de l'Union sacrée, des fois, vous défendez l'indéfendable. Non, non, non. Même si on veut faire les parallélismes et des choses ici,
Je pense qu'il faut, tout à l'heure je disais, il faut atténuer les choses. Quand on parle des cas ou les cas des députés invalidés, ça n'a pas la, ce n'est pas la même chose que les cas ce des sont députés les lois de la République, qui gèrent mon cher. Les affaires. Merci ce sont les lois de la République. D'ailleurs, j'ai vu Kamere corriger M. Tshisekedi. Il a refusé de siéger au Conseil des ministres. Voilà un homme d'État. C'est tout à fait normal. Oui, voilà un homme d'État. Il a dit qu'on ne sait pas gérer la République avec les émotions et les sentiments. Je ne siège pas. Merci. Nous entamons maintenant le second sujet. Je vais passer la parole à Ernest. Vous allez commencer cette fois-ci par rapport à la réduction des trains de vie des institutions. Ernest, est-ce que c'est possible sous Fatih 2? Même si, madame, merci pour la question. Même si vous allez à Fatih 15, il y aura pas, ça ne sera pas possible. N'importe quoi. Ça ne sera pas possible. Même à Fatih 15, Fatih 20, ça ne sera pas possible. Même à Fatih 30. Ça ne sera, même jusqu'au retour du Christ. Avec Félix, il n'y aura pas réduction de train de vie des institutions. Ça, jamais. N'attendez pas ça. Comment ça? Je vous dis sincèrement, je reviens dire sur cette table, sur ce plateau, n'attendez pas cela avec M. Félix. Il a été clair sur Top Congo, il dit, ces gens-là, quand on parlait des députés qui touchaient 23 000 $, il dit, bah, ça, là, comme ça, là, Makassi, ils doivent enterrer les gens, ils doivent soutenir les malades, et ainsi de suite, là, dans l'ère électorale. N'attendez pas une réduction de train de vie avec M. Félix. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais la personne, vous connaissez comment sa personne fonctionne. Il a même dit que non, je ne reviendrai plus aux erreurs du passé. D'ailleurs, ce sont les erreurs du passé qui continuent. Seuls les imbéciles qui ne changent pas. Ce sont les erreurs du passé qui continuent. Il a reconnu ses erreurs, étant qu'humain, il veut quand même laisser des bonnes traces. Non, c'était optimiste. C'était un discours populiste pour plaire aux gens, pour qu'il y ait des acclamations au stade ces jours-là. Mais les erreurs du passé continuent, et ça se multiplie d'ailleurs. Donc n'attendez pas une réduction des trains de vie des institutions, ça ne se passera jamais. D'ailleurs, attendez dans les jours à venir voir les députés avec 33 000 $, ainsi de suite. Donc c'est tout ce qu'il y a. Donc pour le peuple congolais, s'il faut laisser Tshisekedi 5 ans au pouvoir, serrez vos ceintures. C'est tout ce qu'il y a comme message. Ah bon. Maître Justin, est-ce que vous êtes de l'Union Sacrée? J'aimerais un peu savoir. D'ailleurs, le président de votre parti, professeur Bakandesh, était un grand économiste, non? C'est un monsieur qui... D'ailleurs, Bakandesh, c'est un grand nom. Il m'a donné cours même à l'UNIKIN en communication. J'aimerais savoir, est-ce que nous pouvons espérer à la réduction du train de vie des institutions? Parce que le pays a beaucoup à faire. Oui, madame. C'est inconcevable de voir un ministre, un député toucher 21 000 $, pendant que un policier touche, je ne sais pas si c'est 100 $ ou 150 $. 125 $. Un enseignant qui fabrique, un député, un médecin touche en dessin. C'est inconcevable. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose sous Fatih 2? Bon, madame, comme vous venez de le soutenir tout à l'heure, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et tout dépend et tout est possible. Il est question seulement de volonté politique. Et si et seulement si le président de la République, avec le gouvernement en place et les institutions de la République, compatissent, n'est-ce pas, à l'intérêt général, je crois que c'est possible. C'est possible, mais il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs, madame, moi je préfère... parler à toute objectivité. Allez-y. Parce que votre émission est suivie par tout le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des questions sociales et vitales, ça attrape tout le monde, y compris même les ministres. Oui. Parce que des fois, nous voyons, des fois, on peut avoir de l'argent, on peut être bien chez soi, mais quand vous sortez dans la société à l'extérieur, vous vous mettez aussi dans des conditions difficiles. Et donc, il faut voir la vie globalement. Ce qui est difficile, ce n'est pas seulement la personne de Tshisekedi, parce qu'il ne peut tout régler. Mais c'est vrai qu'il a la capacité de pouvoir manager pour que les choses aillent bien. Mais ce qui est dommage, c'est que le président de la République, effectivement, même moi, de mon point de vue, je n'engage pas les partis de ce point de vue-là, mais je donne un point de vue personnel. Le président de la République promet beaucoup, mais il ne réalise pas, ce qui est déplorable. Parce qu'en fait, en réalité, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que la vie soit possible pour tout le monde, pour toute la population. Et aujourd'hui, si vous sortez
Vous regardez la ville de Kinshasa, c'est presque un chantier. Pour vous atteindre ici, madame, il y a des embouteillages partout. Il y a des panneaux, on a bloqué, ainsi de suite. Mais pourquoi on a voté? Nous avons voté pour que le peuple puisse respirer. Il y avait un régime passé, je ne cite pas le nom des gens qui ont géré le pays. Mais nous avons dit que nous devons changer, nous devons révolutionner les choses. C'est comme ça que nous avons mis en place des nouveaux dirigeants. Mais les gens qui sont en place doivent compatir et comprendre qu'ils sont là pour l'intérêt du peuple. Et donc, il n'est pas concevable, parce que les députés sont des mandataires. Les détenteurs du pouvoir souverain, c'est la population. Et c'est ça ce qui ressort même de l'article 5 de la Constitution, qui dit que la souveraineté appartient au peuple, qui les gère directement, soit par voie d'élection, comme nous venions de le faire, et indirectement par ses représentants. Et donc les gens qui sont des représentants, qui sont des mandataires, ne doivent, même les ministres eux-mêmes, ils peuvent avoir le souci de voir, mais pourquoi ce décalage entre la vie qu'ils mènent lorsqu'ils sont au pouvoir et c'est de la population aussi, la vie de la population. Et vous voyez aujourd'hui, madame, tout le monde est appelé à faire la politique. Tout le monde s'intéresse de la politique. Mais si vous allez dans d'autres cieux, on parle moins de la politique. Pourquoi? Parce qu'on avait privilégié d'autres secteurs de la vie, soit l'agriculture, soit l'élevage, et ainsi de suite. Mais je peux même vous poser la question de savoir, aujourd'hui, est-ce que l'État congolais dispose des forêts? Nous, est-ce que nous avons, nous faisons l'élevage? Nous parlons des questions qui intéressent la vie sociale? Nous disons non. Et donc, même si on est de l'Union sacrée, mais à un certain moment, sur des questions d'intérêt général, nous devons parler le même langage. Tout ce que nous pouvons demander aux gens qui gouvernent à la destinée de notre population, de comprendre que non, il n'est pas concevable qu'un individu, ministre soit-il, puisse gagner plus qu'un militaire qui dort dehors. C'est inconcevable. Et pour moi, donc, l'idéal, c'est de réduire les traits de vie. Mais est-ce qu'il y a cette volonté? Et là, c'est ça le grand questionnement. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis d'avis avec le confrère, bien qu'il ne soit pas du camp politique de l'Union sacrée, mais ici, il s'agit d'une question fondamentale, je l'ai souligné, qui intéresse tout le monde. Parce que moi aussi, je peux parler avec sentiment pour dire non, voilà, tout est possible, Félix peut changer. Mais en fait, en réalité, même moi aussi, j'ai payé le prix. En sortant d'ici, je veux voir, il n'y a pas de l'eau chez moi, il n'y a pas du courant. Et tout ça, alors que chez le ministre, parce qu'il a le moyen, il peut aménager, il peut avoir le groupe et ainsi de suite. Alors qu'ils ne sont pas votés, ils sont votés pour rendre service. Et donc, ils ne sont pas là pour leurs intérêts particularistes, mais ils doivent viser l'intérêt général. Et donc, de ce point de vue, c'est ça l'idée principale, c'est ça le souhait que nous avons. Mais quitte à savoir aujourd'hui, est-ce que... Parce que cela ne dépend pas seulement de Félix. Cela dépend aussi de l'autorité budgétaire qui est les parlementaires. Est-ce que les députés voudront qu'on puisse réduire les traits de vie ou leur salaire au profit de tous les services que vous avez évoqués, notamment l'armée, l'enseignement, ainsi de suite? C'est ça tout l'enjeu. Et donc, de ce point attendez, de vue... Attendez, quand vous dites que ce n'est pas bon de chef de l'État, mais vous oubliez que ce chef de dicter la politique d'un pays... Vous comprenez. Lorsque je peux revenir un peu en arrière, cette question des jeeps palissades qu'il avait offert aux députés, est-ce que c'était important d'offrir les jeeps qui coûtaient autant de millions, une somme faramineuse qui était sortie pour faire plaire aux députés, cependant que cet argent pouvait peut-être contribuer ne fût-ce qu'à la logistique de notre armée ou encore contribuer à l'éducation. Vous voyez un peu? Oui, oui, madame, je suis d'avis avec vous. Moi, je ne suis pas hostile aux députés. Et c'est quand même les institutions que nous avons décidées. Si vous lisez l'article 68 de la Constitution qui liste les institutions politiques de notre pays. Et ces institutions-là doivent à même être en mesure de pouvoir travailler dans des conditions aisées. Mais ce qui est vraiment différent et ce que nous décrions, c'est qu'il y a un décalage considérable entre ce qu'un député, un ministre gagne par rapport à ce qu'est un militaire. Merci. Et si vous regardez en termes d'égalité de travail, égalité de salaire, il y a vraiment une disparité considérable. Et donc, de ce point de vue, je suis parfaitement d'accord qu'il y ait diminution ou réduction des traits de vie des institutions au profit des autres questions d'intérêt général.
Et voilà, je passe la parole à Papi. C'est encore Papi qui? Bazinga. Bazinga. Papi Bazinga, vous avez suivi vos co-débatteurs par rapport à cette question de la réduction de 30 de vie des institutions. On peut toucher quel facteur? Merci madame pour la question. Je pense que c'est une question très très épineuse et importante pour notre société aujourd'hui. Mais avant de répondre, je voudrais rebondir sur mon co-batteur en face, que j'ai sali déjà, lorsque il a dit qu'avec Fatshi, rien ne peut se faire. Je me dis qu'il est trop dur avec ce langage-là. Vous savez, lorsqu'on est à l'opposition, il ne faut pas tout voir en noir, même lorsqu'il y a quelque chose qui essaye d'aller dans les bons. Comme? Je dis, il faut être objectif. C'est ça même, s'il vous plaît. C'est ça même être intellectuel. Il faut être objectif. Pendant que Fatshi est au pouvoir, il y a quand même quelque chose. Moi, je ne peux pas dire ici que tout est rose. Non. Je ne peux non plus dire que tout est noir, comme vous voulez présenter les choses. Aujourd'hui, par exemple, la gratuité de l'enseignement, même les enfants des opposants, aujourd'hui, ils peuvent aller étudier dans les écoles catholiques. C'est quelque chose. Bien qu'il y a quelques pépins, quelques soucis, mais tout le monde peut y aller. Aujourd'hui, avec la maternité gratuite, même les enfants ou les femmes des opposants peuvent aller accoucher gratuitement. Donc, je dis, c'est quelque chose. Ce n'est pas tout, tout n'est pas rose. Alors, pour revenir à la question, madame, sur ces points, tout le monde est unanime. En tout cas, si vous avez la bonne foi, si vous connaissez bien le pays, vous allez fustiger un peu cette manière de faire des choses. Mais pour revenir encore à mon frère, quand on dit les trains de vie des institutions, il faut être honnête et objectif pour dire que ça ne commence pas avec Félix. C'est depuis. Mais Félix est au pouvoir aujourd'hui. Mais il devait fermer, il devait corriger les erreurs de ses prédécesseurs. Madame, je continue à parler. Il est venu augmenter les salaires, les émoluments des députés à 25 000 dollars. Je suis là. Il vient trouver une situation. C'est à lui maintenant de faire ce qu'il doit faire. Il y a deux ou trois jours, j'étais quelque part. J'avais parlé de ça. Qu'aujourd'hui, les chefs de l'État, par rapport à la situation du Congo, il doit même accepter d'être appelé dictateur quelque part. Déposer des actes qui ne vont pas plaire à la classe politique, mais qui sera au profit positif, au profit de la population. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit changer les choses. Il doit changer les choses. Par rapport au train de vie, madame, ça fait mal. Même moi, je ne suis pas d'accord. Je suis de l'Union Sacrée, mais je ne suis pas d'accord de voir qu'un député qui doit arriver jusqu'à 21 000 dollars. C'est énorme. Vous savez, 21 000 dollars, dans certains quartiers de Kinshasa, vous pouvez avoir des parcelles. Donc chaque mois, vous payez une parcelle. Dans certains quartiers, encore même des maisons, oui, avec 21 000 dollars. Chez moi, Kinshasa, vous aurez des parcelles. C'est énorme. Même ici, au Kamunganga, ici. À Matadi Mayo là-bas. C'est énorme. Alors, lorsqu'on entend encore des bruits que les députés avec les législatives, la législative présente, auront 33 000 dollars. Ça gêne et ça dérange. Et j'ai dit humblement au chef de l'État, s'il accepte cela, ça sera un opprobre pour lui, pour son pouvoir. Il ne peut pas accepter cela. Bien au contraire, revoir encore le salaire des députés. Je ne dis pas qu'il faut qu'on puisse les abaisser, non. Même si on donnait 10 000 à un député... Pourquoi pas? Non, excusez, sois tolérant. Même si on donnait déjà 10 000, 7 000 à un député, c'est énorme. Parce qu'un député français touche 5 700 euros. Vous pouvez consulter ça même dans les Google. Donc, il y a bien des choses qu'on peut voir, revoir. Et nous souhaitons, nous croyons... Le président du Corée du Nord ou du Sud touche 14 000 dollars.
tout ça, on peut parler des montants, en tout cas faire des comparaisons. J'ai dit que par rapport à notre situation, à notre cas, ce sont des choses à revoir. Ça touche, ça dérange. D'ailleurs, si les députés arrivaient à 21 000, mais il y a des ministres qui arrivent à 80 000. 80 000. Malheureusement, le chef d'État ne connaît pas aussi son salaire. Et quand vous allez même au chef des institutions, c'est encore au-delà. Cela veut dire, ça touche, ça dérange. Le président de l'Assemblée touche 100 000 dollars. Il semblerait même que c'est plus que ça. Donc, pour dire que ça dérange, ce sont des fortunes. Vous savez qu'avec 100 000 dollars, vous pouvez créer une entreprise, vous engager même 30-50 personnes dont vous luttez contre le chômage. Mais imaginez qu'on donne ça à un individu chaque mois. Et il faut aller encore plus loin. Il y a des avantages. Et surtout, au-delà des avantages même, si la personne est là, ce mandataire-là, ne rend pas service à la population. Vous pouvez imaginer ce que ça fait. Moi, je le dis toujours tout haut. Je ne connais pas les noms de plus de 10 ministres. Ce n'est pas que je sois en train de les diminuer, mais c'est parce que je ne connais pas ce qu'ils font comme travail. J'aimerais vous parachever parce qu'il y a, par rapport à ce qui concerne le député, il y a des députés qui sont peu, qui légifèrent de loi, et la plupart sont... Ça, j'aimerais, quand je travaillais avec le gouvernement Bayinda à l'Équateur, il y a une fois un député paie à son âme Bankita. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mon sala député, mon sala malamo. C'est Koïbe Souka, sans. Qu'est-ce qu'il a dit? Namokolob, ce Boboïna Parlement, mais qui sont pour? Qui sont contre? Na Souka, sans. Mais 5 000 dollars. Na yara ki wapio, kalano soana. Vous imaginez un peu? Vous comprenez, madame? Mais je peux ici parachever, même papa Molière. C'est vrai, on pouvait tout dire sur lui. Il a dit ça plus d'une fois dans ses émissions. Ketokenda Kosala Nini. Loi nini yango ya malunga to voté ou yo population a koki ko sepela nango. Ils sont peu qui ont légiféré de loi. Cela veut dire, madame, ça pourrait encore être mieux si ces derniers rendaient réellement un service à la population. Et même s'ils rendaient réellement un service à la population, ce montant-là est énorme. Est énorme. Cela veut dire, le chef de l'État, comme il a dit, il ne va plus revenir aux erreurs du passé. Aïe. Nous croyons à lui que lorsque le gouvernement... Il promet aussi trop, hein. Il va réaliser. Certaines choses se réalisent. Aïe. Certaines choses se réalisent. Il nous avait promis moindre escarmouche. Regardez mes lèvres. Kagame va sentir que je suis fatu béton. Et après, il a changé. Mais il le sent déjà. Il a dit que non, c'était juste une façon de parler, une communication. Madame, même... Madame, moi, je sais que... Il y a quelque chose qui s'est fait dans l'Est de la République en termes de guerre ou de combat. Il faut encourager nos FARDC. Ils sont en train de lutter pour protéger le pays. Peut-être ce n'est pas ce que nous voulons écouter ou voir, nous qui sommes un peu loin. Mais nous croyons que les FARDC travaillent. Ils font quelque chose pour protéger nos territoires. Quel sera le bénéfice de cette réduction des trains de vie? Non, il y a beaucoup de choses, madame. Lorsqu'on réduit les trains de vie des membres des institutions, selon certaines langues, les institutions consomment près ou plus de 50% du budget national. C'est énorme. Alors, lorsqu'on diminue les trains de vie des membres des institutions, moi je voudrais même que les chefs de l'État puissent aller jusqu'à plus de 60-70%. Réduire jusqu'à plus de 70%. Et les laisser à 20-30% de ce qu'ils gagnent ou de ce qu'ils gagnent. Et ce qui, les reliquats, pouvaient servir pour le développement communautaire. Madame, vous savez qu'ici, à Kinshasa, il y a des enfants qui ont 10 ans qui n'ont jamais regardé la télé, ils n'ont pas de courant dans les quartiers. Il y a des quartiers qui n'ont jamais vu l'eau de la régie des eaux, ici, à Kinshasa. Il y a des quartiers qui n'ont pas de routes. Ce qu'ils ont des bons, ce sont des érosions. Merci. Ce sont des érosions. Donc, quand on réduit les trains de vie des institutions, cet argent-là pourra être affecté dans l'armée, cet argent-là peut être affecté à l'agriculture, cet argent peut être affecté au développement communautaire qui souffre encore. Madame, je ne sais pas si vous savez, pour moi, la ville de Kinshasa est encore une ville qui rurale. Sur les 24 communes, il n'y a que 6 ou 8 communes qui semblent être urbanisées. Merci. Et les restes, c'est encore dans,
dans la forêt. Merci beaucoup. Je veux passer la parole à Ernest. Vous avez 2 minutes pour répondre. Ah, madame. Merci pour la parole. Je voulais éclaircir mon co-débatteur. C'est Papy. Frère Papy, nous ne sommes pas à l'église, c'est un frère. Hein, c'est un oh, il n'y a pas de problème. Le chef de l'État a appelé Kagame son frère, est-ce que c'était oui, à l'église? Oui. C'est pour elle, ils ont réuni avec les dialogues parce qu'ils sont frères. Vous savez, gratuité de l'éducation. En tout cas, je ne peux pas faire de commentaires parce que je suis enseignant et je pense qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Lors de notre émission, j'aimerais que nous soyons face à face pour vous très montrer, disponible. Oui, comment est-ce que l'éducation a échoué complètement. Vous avez tué les Congolais sur le plan éducatif, vous l'Union sacrée. De même, le paix que Kabila avait laissé avec... Soyez gentil et objectif, que Kabila avait laissé avec Bakonga, tout ça, c'est par cœur avec votre avocat. Ce n'est pas objectif. Que vous avez amené à l'éducation. Pour la maternité, je suis d'accord avec vous, il y a la gratuité. Merci. Mais à côté, on paye l'attention de naissance à 30 000 francs congolais. Oui. C'est ça avec les politiciens congolais. Ils donnent à gauche, ils retirent à droite. C'est la maternité ça, gratuite. C'est le chef de l'État qui a recommandé ça. Moi, je vous dis, la maternité gratuite, mais on paye l'attention de naissance à 30 000 francs congolais. Moi, je l'ai eu gratuitement. Donc, chez moi qui s'insaut. Moi, je l'ai eu gratuitement. Chez les sœurs. Bon, lorsque la femme accouche, normalement, on paye 20 000, 25 000. Donc, ça revient au même. Ouais, vous changez. Donc, même le montant est discutable. Non, c'est-à-dire pour la maternité. Mais l'attention, c'est 30 000. Donc, accoucher gratuitement et payer l'attestation de naissance à 30 000. Moi, je ne vois pas la gratuité de la maternité là, disons. Les amis de l'Union sacrée doivent laisser les émotions et les sentiments lorsqu'on parle des questions nationales. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes bloqué et sur le plan diplomatique, sur le front diplomatique et sur le front militaire. Rien ne va. Maintenant, vous allez chercher Lorenzo, vous allez à Luanda. Comme on avait promis que moi et Kagame, nous allons nous rencontrer au ciel. Le ciel aujourd'hui, c'est Addis Abeba. Le ciel aujourd'hui, c'est Luanda. Ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Moi, j'ose croire que les Congolais ne peuvent pas pardonner cette phrase de Tshisekedi. Oublions les erreurs du passé. Ils n'avaient pas droit à des erreurs. Avec tout ce que nous avons vécu avec Kabila, celui qui devait remplacer Kabila n'avait pas droit aux erreurs. Parce que les Congolais mouraient sur tous les fronts, social, sécuritaire, de l'emploi, chômage. Les Congolais meurent partout, manque d'énergie, l'eau, l'électricité. Donc celui qui devait remplacer Kabila n'avait pas droit à l'erreur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, lorsque je dis que rien ne va changer, parce que l'Union sacrée au pouvoir aujourd'hui n'a pas un contrat social avec le peuple congolais. Vous n'avez pas été élu. Vous avez été nommé. Les présidents, les députés nationaux, provinciaux, les conseillers municipaux, communaux, vous avez été nommé. Ceux qui sont élus... Vous le dites sur base de quoi? Parce qu'il y a eu élection d'une semaine, du 20 au 27 décembre. Avec des machines à voter entre les mains de tout le monde. Et il y a le monde entier qu'on est. Donc, il n'y a pas un contrat social entre vous et le peuple parce qu'il ne reconnaît pas votre élection. Deuxièmement, si Tshisekedi pouvait prendre son temps, expliquer au peuple ce qu'il attend par les erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs-là? Et troisièmement, vous voyez ce pays. Tout président qui viendra ici, avant de commencer son mandat, s'il ne fait pas, s'il n'engage pas des réformes, des états généraux dans tous les domaines de la vie nationale, il va échouer. Merci. Parce qu'on ne peut pas remédier à une maladie qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi, des fois, il dit, bon, on a eu du salaire, on a raté, je n'étais pas informé, tout ça. Il est surpris en tout et pour tout, parce qu'il ne maîtrise rien, il ne fait rien. Y compris les réformes. Et enfin, vous allez voir, dans les jours à venir, les animateurs qui... M. Tshisekedi va placer dans la diplomatie, la défense, l'économie, les budgets, le secteur agro-pastoral, tout ça. Vous allez comprendre que ce sera déjà un échec. Parce qu'aujourd'hui, si on prend Sam Alukon, il n'y a qu'un seul ministre qu'on peut applaudir. Là, je suis sincère. Un seul, celui de la fonction publique.
Et pour moi, c'est dans un gouvernement de plus de 60 Ernest. Personnes. Il n'y a qu'un seul monsieur qui essaie un peu d'exceller. Merci beaucoup. C'est pas sérieux. Je passe la parole à Justin au coteau de rebondir. Oui, madame, avec toute objectivité, nous vous devons beaucoup de respect parce que les questions que vous soulevez sont des questions intéressantes. Merci. Et qui concernent l'ensemble de la population. Non, nous sommes en train de... J'ai écouté mon co-débatteur qui est en face de moi. Nous croyons que même lui, aujourd'hui, s'il est nommé, il ne saura pas tout faire. Il y aura toujours des couacs à gauche, à droite. Et tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de pouvoir donner des idées, des arguments et des prétentions qui peuvent fonder l'avenir. Parce que si aujourd'hui, on essaye de dire que non, voilà, il n'y a rien, on ne connaît jamais le futur de quelqu'un. Demain, peut-être ce que nous sommes aujourd'hui, mais demain, vous pouvez changer aussi de position, vous pouvez prendre des décisions. Il ne faudrait pas aussi amener le président de la République à être dictateur. Parce que nous sommes dans un État qui fonctionne avec des lois et avec des institutions bien connues. Et donc, quand nous voulons parler d'une question... Il faudrait, par exemple, savoir de quelle manière on peut orienter la question. Nous sommes ici dans un État démocratique où il y a des institutions, où il y a les principes de séparation de pouvoir. Le président de la République, bien qu'étant membre de l'exécutif, il n'est pas membre du gouvernement. Et dans tous les secteurs, si aujourd'hui nous avons besoin de l'eau, il y a un ministre chargé de ces secteurs-là. Si nous avons besoin de l'électricité, ce n'est pas tout ce qu'on peut mettre dans le compte du président de la République. Et cette confusion-là, s'il y en a, on croira que peut-être tout ce que nous vivons, c'est Félix. Non, il faut faire la part des choses. Je suis d'avis avec vous que s'agissant de la réduction des traits de vie, je crois que tous dans les plateaux ici, on est unanime et nous avons chacun, ce qui le concerne, développé les desiderata que nous suivons ci et là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes d'avis, et le président de la République, ainsi que l'ensemble de la population représentée par les institutions, doivent compatir. Et c'est inconcevable qu'il y ait un décalage, un écart entre les gouvernants, qui sont, en fait, en réalité, les mandataires et ceux qui leur avaient donné le pouvoir. Et donc, de ce point de vue, nous devons voir la vie dans le sens communautariste, c'est-à-dire... Lorsqu'on gère la res publica, lorsqu'on gère la chose publique, on doit penser également aux autres personnes. Vous ne pouvez pas à vous seul gagner plus au détriment des autres. Et donc, pour terminer, madame, s'agissant de la question... Light, s'il vous plaît, accorde-nous 4 minutes. Oui. Merci. Bon, très rapidement, pour terminer, je peux dire que aujourd'hui, à ce qui concerne... Et la question, on a soulevé les questions de l'Est, promesses du président de la République. Concluez, s'il vous plaît. On ne peut pas les suivre dans tout le discours, mais nous devons être regardants vers lui, nous pouvons lui dire des choses. Et il y a aussi une sorte d'autodétermination de la population. C'est-à-dire le peuple aussi a le mécanisme de pouvoir revendiquer ses droits et pas de moyens loyaux et légaux. Papy, rebondissez. Ok. Madame... Tout à l'heure, mon ami en face l'a dit, nous avons un Parlement qui est censé contrôler les ministres. Vous les suivez partout dans tous les débats. S'il y a quelqu'un qu'on plébiscite comme ministre, c'était seulement les ministres de la fonction publique. Et les autres. Et pourquoi ils ont fait autant d'années ou de mois au pouvoir? C'est parce que le Parlement n'a pas fait le travail. Aujourd'hui, c'est ce que nous disons, le Parlement qui arrive doit être un Parlement responsable. C'est le souhait. Parce qu'en tout état de cause, tout retombe sur le chef de l'État, alors qu'il y a des gens qui pouvaient mieux faire ou travailler ensemble à côté du chef de l'État. Donc le Parlement doit contrôler les ministres qui seront nommés. Le Parlement doit revoir, parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire, voir cette question des trains de vie des membres des institutions. C'est vrai. Et même, comme membres des institutions, en bénéficient, mais ils doivent tenir compte, ils doivent tenir compte de ceux qui l'ont voté, parce que c'est très important. Alors, par rapport encore à mon ami, je dis encore, soyons objectifs. C'est vrai, je suis d'avis, et je l'ai toujours dit,
que notre pays a besoin de réformes. Des réformes à tous les niveaux. On a besoin de réformes institutionnelles, organisationnelles, administratives. On en a besoin. Et nous faisons confiance au chef de l'État que cette fois-ci, parce que c'est son deuxième mandat, il pourra mettre toute la batterie en marche pour que les réformes soient réelles. Les réformes soient réelles. Et je chute en disant, mon cher ami, que, je répète encore, tout n'a pas été mal. Il y a quand même quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes enseignant. Si vous êtes dans le secteur public, hier vous étiez à combien? Aujourd'hui, on a ajouté quelque chose dans votre salaire. C'est quelque chose. C'est vrai, vous pouvez dire que la gratuité de l'enseignement, ça ne donne rien. Non, c'est faux. C'est méchant d'ailleurs de dire ça. Aujourd'hui, un papa qui avait 8 enfants, 10 enfants, qui ne pouvait pas scolariser leurs enfants, ses enfants, aujourd'hui, il peut envoyer les enfants à l'école. Même si il y a des lacunes, parce qu'il y a pléthore des enfants dans certaines salles de classe, et on comprend. Mais c'est quand même quelque chose, mais il faut améliorer. Nous avons aujourd'hui le projet 145 territoires. Ça fait quelque chose. Nous avons le projet chinois qui n'avait rien fait, qui n'a pas fait grand chose. Aujourd'hui, on récupère 7 milliards de dollars qui va faire des routes. C'est quelque Merci. Chose. Nous avons le programme 145 territoires où il y a certains territoires qui pouvaient avoir certains bâtiments construits. C'est quelque chose. Merci. Nous disons que tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des choses qui se font. Mais nous croyons que les chefs de l'État, nous voulons, nous souhaitons, nous proposons que les chefs de l'État puissent procéder aux réformes. Merci aux réformes beaucoup. Totales dans toutes les institutions merci pour que les choses beaucoup. Changent dans notre pays. Des anges, merci de nous accorder quelques poussières de minutes. Non, je donne la parole à Justin au côté de clôturer. Vous avez une minute pour Madame, clôturer merci. L'émission. Merci très rapidement. Des anges, merci. Nous devons comprendre que tout n'est pas rose jusqu'à là. Tout ce que nous souhaitons, c'est de demander à toutes les institutions de travailler surtout pour la population. Je m'arrête là. Merci. Et voilà. Veuillez encore clôturer. Veuillez clôturer. Oui, les mots pour clôturer cette émission, je dirais que la grande responsabilité pour que les choses changent dans notre pays, c'est les parlements. Les parlements, vous, députés nationaux, élus, pour cette législature, ayez le courage de contrôler l'exécutif. Parce que si vous contrôlez l'exécutif, les choses vont changer. On n'aura pas des ministres qui seront là en train de rien faire, mais de gagner beaucoup de dizaines de milliers de dollars inutilement. Donc nous croyons que avec les réformes que le chef de l'État initie déjà, Madame, vous n'avez pas parlé ici de la peine de mort qui est revenue encore. C'est quelque chose de bon qui n'existait pas hier. Parce qu'hier, on pouvait protéger les traîtres et les détourneurs. Mais aujourd'hui, déjà, quand on lève cette moratoire, et peut-être ça va changer un peu les choses dans les camps des traîtres. Donc ça, c'est encouragé aussi. Et voilà, Ernest Veillet clôturer. Madame, le mot de clôture, c'est un regret pour moi. C'est un regret pour moi que les amis de l'Union Sacrée aujourd'hui tiennent le langage de l'opposition. Ça, ce n'est pas un langage des sections de pouvoir. Vous devez expliquer ce que vous avez fait, votre résultat. Vous devez présenter les résultats. Et non demander encore à ceux qui sont là puissent faire. C'est vous qui êtes là, vous devez présenter les résultats. Malheureusement, le langage, c'est un langage déjà d'aveu d'échec. Nous allons nous retrouver ici 5 ans après et vous verrez que rien ne sera fait. Je leur demande seulement de préparer leurs valises et partir. Oh. Merci. Préparez vos valises et partez. Et voilà, merci, c'était un débat houleux. Nous allons revenir sur cette question qui est très importante, très capitale. En tout cas, merci à Desange Nazem. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Merci à Enoch Mbala. Merci à cette femme qui soutient beaucoup mon émission. Chaque fois que l'émission passe, elle est là, elle suit. Heureux moi de la femme à toi, Annette Ngamoupé, ma préférée. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos sœurs, nos mamans qui tombent au jour le jour à l'est du pays et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.